J'ai composé ma chanson la plus populaire après la bataille de la Gournouillère. C'était à l'époque où les grosses compagnies de traite de fourrure se battaient pour le contrôle du territoire sur lequel nous vivions depuis des générations. Nous, les Métis, les bois brûlés, nous avons remporté la bataille. Et j'ai écrit une chanson racontant notre victoire. Lorsque je chantais autour des feux de camp, d'autres reprenaient la chanson. Nous avons chanté en travaillant. Nous avons chanté en nous battant pour nos terres. Et nous avons chanté alors que tant de choses nous étaient enlevées. J'ai écrit beaucoup de chansons. Nous, les Métis, nous échangeons les histoires et les nouvelles en parlant et en chantant. Nous avons toujours chanté des chansons comme ça. Et je crois que nous le ferons toujours.